Et salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Sea of Stars. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans le dernier épisode, nous étions arrivés à la cité de Coride, non, d'Ocaria, voilà, pas du tout le mot que j'ai dit en premier. Lac d'Ocaria. Non mais est-ce que la cité s'appelle comme ça du coup? D'Ocaria, oui c'est ça, oui. Voilà, la cité d'Ocaria. Il faut qu'on aille voir l'oracle juste là. Juste avant, on va aller se reposer dans l'auberge pour voir si on peut lire une histoire. Je sais pas si on peut dans les auberges. C'est que dans les... Au niveau des feux de camp. Ah, je peux ici. Ils disent quoi les autres? Bon, elle veut rien dire, elle est pas fun. J'ai deux histoires de dispo là. La rose vampire. Il était une fois un botaniste qui tenta de tromper à mort en faisant pousser une rose si belle qu'elle ne supporterait pas de la faucher. Sous le charme, la mort se retrouva bien confuse alors qu'elle apprécia la beauté de la vie pour la toute première fois. Son acte fut motivé par une rage jalouse ou une ruse opportuniste, personne ne le sait vraiment. Ils ont une magie maléfique qui a transformé la fleur en quelque chose d'encore plus beau, mais de très maudit aussi. La rose vampire. Une chose d'une beauté envoûtante, obligeant tous ceux qui posaient le regard sur elle à prendre part de leur plein gré à leur propre corruption. D'après les rumeurs, la rose magique aurait atteint les quatre coins du monde avec une promesse simple. Une promesse à laquelle peu pouvaient résister. La vie éternelle à condition de pouvoir la prendre. Malgré l'euphorie provoquée dès le premier contact, le prix devenait évident beaucoup trop vite. Pour chaque seconde avec la rose vampire en main, une année était ajoutée à votre espérance de vie. Et pour chaque année ainsi empruntée, une épine poussait sur un de vos os. Les histoires racontent que, parmi tous ceux qui touchaient à la rose vampire, la plupart réalisèrent leur erreur instantanément. Pour avoir allongé leur vie d'une seule année, ils lâchaient avec eux avec un souvenir très douloureux, se manifestant à chacun de leurs mouvements. D'autres, en revanche, furent incapables de s'arrêter et finirent par ne plus ressembler vraiment à des humains, ni même à des êtres vivants. On ne sait pas avec certitude si la rose vampire existe toujours. Le monde s'accorde sur une chose. Au final, la mort aura toujours le dernier mot face à ceux suffisamment stupides pour essayer de la tromper. Enfin, oh, elle est glauque cette histoire un peu. J'aime bien, c'est... Enfin, c'est joli comme histoire, mais... Enfin, c'est joli. J'ai trouvé que c'était une belle histoire inventée. Mais, oh, glauque. Allez, on va écouter la deuxième. Ouais, très glauque cette histoire, je trouve. Les nomades des mers. C'était comme un rêve. Personne ne crut au premier abord que leur voyage apparemment éternel s'achevait enfin. Pourquoi eux, avec l'oracle des marais actuel si jeune, qui pourraient confirmer leur découverte depuis si longtemps attendue? Et au fond de leur cœur, ils savaient, devant eux apparaissait de façon encore plus éclatante que dans leur vision, se dressait la tour tourne au-dessus de l'eau. Et c'est ainsi que les nomades des mers, qui avaient traversé des plaines abyssales depuis des temps immémoriaux, s'installèrent enfin. Ayant atteint leur terre promise, ils se mirent à bâtir aux abords de la tour. Dans le village des Dokari, les générations s'écoulèrent, chacune suivant les conseils de leur oracle des marées. Depuis ce jour, ils sont les gardiens d'en-dessus de l'eau, attendant ceux dont le destin était d'ouvrir sa porte. Cette nouvelle ère, les souvenirs de leur vie nomade, notamment les exploits de grands explorateurs et redoutables guerriers rapportés dans des contes classiques. Le plus populaire, et de loin, est le Guyot de la bataille fatidique, une histoire avec tant de versions, il pourrait très bien n'être qu'un mythe. Les historiens firent de leur mieux pour réunir des indices provenant de diverses versions de la bataille, certains consacrant même leur vie à ce sujet. Il est généralement admis que les Dokari veuillent disparaître lorsqu'ils traversent le territoire d'une limace de mer gigantesque. Ce qui se passa ensuite fait beaucoup débat. Selon l'interprétation qu'on fait des passages principaux et la crédibilité qu'on prête à certaines sources, certains affirment que le guyot de la bataille fatidique n'a jamais eu lieu, reléguant cette histoire à une invention, le frier potentiel pillard d'un ancien trésor d'Ocari. Mais cette théorie semble exagérée, vu que l'incapacité de tel pillard à respirer sous l'eau suffirait à l'en dissuader. Certains historiens prétendent que la limace de mer géante fut vaincue lors du baroud d'honneur des Dokari, un plateau sous-marin, ce qui aurait donné son titre à cette histoire.
Pour d'autres, les textes à propos des ruines englouties sont simplement trop concordantes pour être ignorées. Après cette version des événements, les nomades enfermèrent le monstre et comprirent qu'ils n'avaient pas à le battre. La clé fut ensuite divisée en trois parts égales, chacune attendant quelque part dans le grand bleu de futurs héros assez courageux pour débarrasser le monde de cette menace. Fin. Ah, est-ce que ça va être nous peut-être? Bon, j'avoue que j'ai pas tout suivi à cette histoire, c'était un peu complexe. Allez! On est y part pour aller voir l'oracle. Comme prévu, la génération guerrière de solstice est venue chercher conseil. Les marées ne mentent jamais. Je suis l'oracle des marées, un des trois prophètes, bienvenue. Merci de nous recevoir, Oracle. Nous cherchons un moyen d'aller sur l'île Messa. Droit au but, je vois. Le monstre que vous chassez a donné une leçon d'humilité à une importante force de votre ordre dans le passé. Et il ne reste que vous deux, semble-t-il. Et pourtant, vous voulez entrer dans l'ancien château du Fleshmancer? Oui, coûte que coûte. Alors, je suppose que cette audience est un peu plus sérieuse. Laissez-moi un moment pour communier avec les eaux et voir ce que le flux du temps accepte de révéler. Devons faire vite. L'autre du conflit pourrait se réveiller à tout moment. Vous pouvez nous aider à rejoindre l'île Messa, oui ou non? Dès qu'il ne vient pas d'ici, est impatient de parler, je vois. Le rôle d'un prophète n'est pas d'offrir une aide directe. Mais plutôt une vision. Ai-je raison de penser que n'attendez aucune prophétie pour vous, jeune étrangère? Je... Oui, bien sûr. Très bien. Cuisinier guerrier, approchez. Eh, c'est exactement... Approchez. C'est comme ça que c'était appelé. Pour y être capable d'un grand exploit, il ne sera révélé que lorsqu'il sera trop tard pour accomplir. Ok, bien sûr. Ils s'en foutent. En ce moment, on viendra demander une fiole de sursis. Fiole de sursis? Compris. Merci. Enfant de solstice, approchez. Ne bougez pas. Très intéressant. Lors de cet événement, quel dommage. Vous avez été direct avec moi, alors je ferai de même. Mais d'abord, quelques révélations. Ça me fait rire, je sais pas, c'est... Je vais vous donner quelques révélations sur l'histoire avant que... Enfin, sur le jeu avant que je ne vous dise quoi que ce soit. En voyant ici, tel que je vous ai vu dans mes rêves, je sais que la vigile des oracles de Tokari arrive à son terme. Enfin, ceux que nous attendons depuis des siècles sont arrivés. Cette cascade est la porte menant au plus grand mystère de notre monde, un mystère qui vous revient de dévoiler. La fameuse tour... voilà. La tour d'en-dessus de l'eau. Une structure énigmatique dissimulant une porte qui est restée fermée depuis des temps immémoriaux. Dans l'attente de deux enfants de saucisse avec une chance infime mais pourtant bien réelle de changer le destin. Vous. Et comment? J'ai toujours su que vous étiez spéciaux, Zelle et Valère. Il y a une autre chose dont je suis certain. De toutes les issues possibles, aucune ne montre votre victoire sur l'autre du conflit. Mais il doit bien y avoir un moyen. Vous ne venez pas de dire que nous pourrions changer le destin? Ce n'est pas moi qui fais les règles, mon enfant. Vous avez tout le temps nécessaire pour regarder la nuit qui est en vous. Le potentiel est immense, mais vous ne serez pas prêt à temps pour la grande confrontation. Quoi qu'il se passe, cette tour, il n'existe aucune issue où vainquer l'autre du conflit. Mais on doit se battre! Et vous vous battrez, mais la victoire ne vous appartiendra pas. Et vous, moine lunaire, avec ne serait-ce qu'une étincelle, vous auriez pu être celle qui crée des chemins sur l'eau pour établir enfin la connexion. Si près et pourtant si loin.
Mais hélas, il semble que le problème engendre la solution. On va quand même essayer. Vous ne pouvez rien faire pour nous aider? Je n'ai pas le pouvoir de vous aider à rejoindre l'île Messa. La solution se trouve-t-elle dans la tour dont vous avez parlé? Quoi que vous réserve les destins, tout ce dont je suis sûr, c'est que la suite de votre périple se trouve au-delà de cette cascade. La mystérieuse tour d'en-dessus de l'eau vous attend. Je vivais à ces épreuves, découvrez le secret qui vous est réservé depuis si longtemps. Bon courage, guerrier de solstice. D'accord. Donc apparemment, on va perdre en fait. Je suppose que c'est pas ce qui va se passer, mais... Ce serait intéressant à voir quand même. Ou alors ils vont nous faire le coup des vieux RPG où on perd contre le boss final. Et en fait, ça fait genre fin du jeu. En fait, quand on relance, on a accès à la vraie fin de l'histoire. Ce truc, absolument rien pour l'instant. Du coup, ouais, qu'est-ce que ça va nous réserver cette tour? Merde, c'est pas la suite. Par où? Mais en fait, ça se trouve, je pouvais juste avancer dans la direction du... Ah, mais attendez, il y a quelque chose là. Juste à quand? J'ai pas relevé, je sais plus. Ça se trouve, c'est le truc que je viens de ramasser à l'instant, en fait. Bon. Voilà, Sénal. C'est vrai que je n'ai jamais le nom des ennemis. C'est stylé quand il attaque. Ah, il a fait un bouclier, c'est ça? Je vais pas lui faire mal si j'attaque. Ah oui, absolument rien, oui. Bon, fallait tester, hein. J'aime bien l'idée. Il se transforme en une arme avec de l'eau. Ah, la magie touche, néanmoins. Peut-être me soigner, moi. Donc là, il va se protéger très certainement. Voilà. Ça marche, ça? Oui, ça marche, mais il lui reste un point de vie. J'adore. Génial. Ah, moi s'il me reste un point de vie, vas-y donc. Je l'aurais bien soigné, mais il agissait dans un tour, donc... Je ne me suis pas permis une petite faute. Chevalier Crevette, c'est très ridicule comme nom. Dommage que oula, dommage que je puisse pas faire frappe percutante. Clone. Comment ça?
D'accord. Sympa. Ça a l'air sympa. Se faire ça. J'ai pas eu le timing. Ok. Ah voilà, j'ai récupéré un autre truc comme ça. Encore une fois, le genre de truc, tu te demandes à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas activé le truc directement? Pourquoi est-ce qu'il fallait chercher un objet qui se trouve juste à côté? Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un reproche que je fais au jeu. C'est des trucs qu'il y a dans plein de jeux. Tu ne sais pas à quoi ça sert. C'est comme si tu mets la clé juste à côté de la serrure, quoi. J'en sais rien. Ok. Bon, on arrive dans un donjon très certainement. Ah d'ailleurs, le jeu a dépassé les 250 000 ventes en une semaine. Donc voilà, bravo au studio, je suis content pour eux. C'est mérité en soi, hein. Le jeu est bon. Hein. J'ai quelques reproches, néanmoins, pour l'instant. De toute façon, vous avez dû le remarquer, hein, je lui reproche quelques trucs. C'est surtout les compétences. Moi, c'est mon gros défaut. Il n'y a que 4 compétences, dont une qui a un ultime. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Surtout dans un RPG, quoi, je veux dire. Bah, les RPG, c'est des compétences, c'est des stratégies. Là, c'est un peu dommage. Néanmoins, le jeu reste bon. Je te reproche pas non plus tant que ça. Si le truc que je reproche, c'est ça. J'aurais aimé plus de diversité dans les attaques. Enfin, je veux dire, de ce que faut faire pour les utiliser. On va faire quoi les trucs là? Et j'ai pas réussi à le bloquer, bravo. Ouais, je veux dire, vous savez, genre là faut taper au bon moment. Sarai aussi faut taper au bon moment. Y'a que Zay pour l'instant qui a un truc, faut rester appuyé et relâcher au bon moment qui change un petit peu. Mais voilà, j'aurais aimé plus de diversité. Je veux dire, on a 4 boutons quoi. J'aurais aimé des trucs, faut appuyer sur d'autres boutons peut-être. Ou un truc où il faut spam, je sais pas, enfin quelque chose qui change. C'est tout. Alors comment on les bute? Parce qu'ils ont pris aucun dégât quand j'ai attaqué avec la dame. D'accord, juste comme ça en fait, ils prennent juste pas beaucoup de dégâts. Je pense pas que mon boost leur inflige plus de dégâts. Ouais, non, ça sert à rien. Ah, yes! J'ai bloqué pile le nombre de dégâts.
Fallait pour que ça me tue, quoi. C'est quoi tout ça? Oh là là, mais ça va être le temple de l'autre Zelda là. Je peux pas y remettre. Pour l'instant, je fais des choses, je suis pas sûr de comprendre trop ce que je fais. Et ça a l'air cool. Ouais. Non mais vous pouviez pas le mettre à côté des autres, ça aurait été trop cool. Alors, est-ce qu'il copie mes combos, puis fait un truc? Il attaque de la même manière pour l'instant. Allez, faisons ça. Pas activer le levier. J'aurais pas eu l'air con. Ce qui fait que je vais pouvoir y poser dans la pièce là-bas. Pas du tout. Levier d'abord peut-être, je sais pas. Ça ouvre là-bas pour mettre des ennemis. Ce qui est fort sympathique.
T'avais une verre ici aussi, j'avais pas vu. Je devrais faire plus souvent cette combe, ça fait super mal. Ou pas grand chose. Merde, si j'avais pas été aussi rapide, j'aurais pu l'empêcher d'agir. J'aurais empêché de faire un clone qui va faire durer le combat plus longtemps. Bon, ça va. Il manque que 60 points d'XP pour monter de niveau. C'est tellement rien. D'accord. Ça continue. Encore et encore. Ah, je croyais que je pouvais monter là. Qu'est-ce qui se passe dans le coin ? Ok. Ok. Ah oui, ça fait des ponts. Ok, j'ai pas compris. Manteau thalassique. Bah oui, très bien. Parfait. Ok, là ça a déclenché quelque chose, je suppose. Ok, j'ai parfaitement compris ce que je viens de faire. C'est ça qui est bon. Je comprends pas pourquoi eux se réveillent que maintenant. Enfin, je veux dire, je pourrais très bien quitter la pièce sans les affronter. Après, moi je suis sympa chez Affront. Ça fait de l'XP. Surtout que je vais monter de niveau là. Ah non, je croyais que c'était elle qui était en train d'être attaquée.
J'ai pas le timing pour ce truc. Je sais pas pourquoi. Aïe. Ouais, ça sert à rien. Ce combo sert à rien. Enfin, ce combo se booste. Level up. Alors, j'hésite, attaque ou mana? Mana. La vie, t'as pas beaucoup de vie, toi. Allez, très bien. Pas m'y accrocher, non. Je vais pouvoir me balader en radeau. Et là, nous avons un chemin qui ne sert absolument à rien. Le genre de chemin qu'on aime. Allez, ok. Je suis obligé de sauter là. Ouais. Ah, il y avait un truc en bas. Nul. Dites-y, je ne peux absolument rien faire. On va pouvoir récupérer l'orbe. Je vais baisser le niveau de l'eau. Je me demandais comment j'allais remonter, mais ça va, ils ouvrent le chemin. Pas un truc que j'ai raté. Couvercle en phosphorite. Ça a l'air sympa, ça. 6 d'attaque. Et 2 en attaque magique.
Pas mal. Ah oui, ok, ça c'est pour... D'accord, c'est pas là que j'ai demandé à aller. Ok, merci. D'accord, j'avais pas vu ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Pas tarder à arriver au bout, je pense. Faut des trucs. Me fait balader. Plus de vie, j'avais oublié. Ils font que ça, eux? Dommage. Vas-y, Karl, Garl, tu garles. Alors si je vise lui, ça vise pas le gars qui est ici, n'importe quoi. Me soigner. C'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Atteint à chaque fois. Histoire de ma vie. Ah oui, c'est vrai, il peut faire ça. Récupérer des valves. Il y a s'en passer des choses ici, mais je pourrais rien faire. Ok, donc ça doit être la fin. On voit qu'elle prend sauvegarde.
J'ai appuyé sans faire exprès. Pour aller chercher ça, faudrait que... Oula. N'importe quoi ce que je fais, bonjour. Mais je comprends ce qu'il faut faire. Je comprends pas comment je repars. Je suis con. C'est pas impossible ça. Ça c'est fortement possible. Et vous pensez qu'il faut que je passe vite? Non. Vous sentez le truc stupide ou comment ça se passe? Allez, monte cette échelle là. Je vais mettre l'autre tuyau en fait. Pour pouvoir arriver à un autre chemin. Alors je pense... Je pense pas qu'il fallait faire ça. Bon, on va voir ce qui se passe. Hein? Ah, quoique c'est pas mal. Allez, moi je pense que c'est la pièce finale, tout ça. Hein. On va pouvoir arriver à la suite. Du coup, on fait ça, je sais pas. Ça nous amène. Un truc. Mais ça m'amène à la fin. 100%. Et je vais pas avoir récupéré la conque. Donc je pense qu'il faut mettre le tuyau qui est tout en bas. Attendez, celui qui est tout en bas, je peux plus le remettre. Ah, voilà. Je sais pas si c'est ça, hein. J'y réfléchis actuellement à mon plan.
Et c'est ça. Et du coup, je pourrais retourner dans la pièce ici, vu que j'ai activé le raccourci avec l'échelle. Moi, j'ai ça aussi. Oh non, attends, le mets pas. Ne mettons pas pour l'instant. Là, du coup, je vais arriver directement là où il y a la conque. Et avec le levier, je vais pouvoir ouvrir la porte. Purée, tout ça pour ça? Waouh! Bon, c'est bien, les conques, hein, mais. Toute cette difficulté juste pour ça. Dis donc. Ah d'accord, de toute façon fallait la mettre. Sinon je pouvais pas partir. Et nous y sommes, tout en haut de la tour. Et ils m'ont pas mis de soin. Les filous. Là combien de temps? Eh hey, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode, je pense. C'est pas qu'on était si long. Mais c'est un bon endroit pour s'arrêter avant la porte finale de cette tour. Bah, on va sûrement avoir un boss, je pense. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant de faire ça. Peut-être qu'on va avoir un véhicule volant au tatou. Peut-être pas, là, je pense que je... J'espère un peu trop. Ou alors le fait de pouvoir changer le temps quand on veut, où on veut. Ça, c'est quelque chose que j'ai supputé. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Ça peut être ça, la récompense, en vrai. Je sais pas. On verra. On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Cette ascension de la tour a été un petit peu longue. Enfin, ça va, en vrai. Ça a dû durer 20-30 minutes. Tout pété. Donc, ouais, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.